Alors, bonjour. Je viens de réussir mon 50e sommet dans la liste des Northeast 4000 Footer au Mont Galehead. Alors, je me trouve à un hot look, un point d'observation qui est en dessous du sommet. Alors, ici, on a une vue magnifique sur le mont North Twin et sur le Galehead Hut, qui est un refuge de montagne pour randonneurs. Alors, je logerai ce soir avec une vingtaine d'autres randonneurs. Alors, ça devrait être super avec les repas et la noirceur qu'il va prendre lorsque le soleil se couchera. Ici, on voit le mont South Twin plutôt. Ça continue sur la crête. Derrière, ce sont les monts Bonds qu'on ne voit pas. Si je poursuis, tout au loin, ça m'a pris un certain temps avant de savoir quelles étaient ces montagnes. Ce sont les Osceolas et les Scar Ridge, qui font partie de la chaîne des monts Sandwich, donc dans le sud des Montagnes Blanches. Alors ça, ce qu'on voit en vert, c'est la côte du mont Galehead. Nous sommes à la mi-septembre. C'est une journée d'à peu près 18-19 degrés. Un bleu, un ciel bleu immaculé. Quelle journée merveilleuse! Guessing game,
So what do you want, day 6 or 7 of your 11-day stretch? Well, I think that I go on my days off. Morning, America. Je suis au sommet du Mont South Twin. Un sommet dénudé à 360 degrés. Ce qu'on voit, c'est le brouillard dans la vallée. Il y a un peu de vent. Température qui devrait atteindre les 15 degrés. Quel plaisir d'être au sommet d'une montagne de cette envergure. C'est une montagne de 1494 mètres. La pancarte pour indiquer les différents sentiers. Ce qu'on voit au loin, c'est le Mont Washington et les présidentielles. Sûrement que le mont Isolation est dans ce coin. Et on se dirige vers Kemi Kewaset Wilderness avec le mont Kerrigan et le mont Banz. Alors, prochaine direction. Le mont North Twin. En arrivant sur ce sommet, je confirmerai ma 30e ascension des 1220 mètres des White Mountains. 40e ascension des
1220 mètres de la Nouvelle-Angleterre. Rebonjour, je me trouve dans le col entre South Twin et North Twin. Ce qu'on voit ici, c'est le mont Washington, la rangée des Willets, le sud des Présidentiels. Ce qu'on voit là en face, comme une montagne qui abrupte dans la descente. Je crois que c'est le Z Cliff. On poursuit au centre. C'est le mont Kerrigan. Et tranquillement, on va apercevoir le sommet du mont South Twin. Alors, c'est toujours intéressant lorsqu'on a des points de vue dans un col. Alors, on a à peu près 125 mètres à monter pour se rendre, justement, au North Twin. Et au South Twin, on a une cinquantaine de mètres de plus à monter. Sommet du mont North Twin, 40e sommet dans la liste des New England 4000 footers. Ici, c'est le mont South Twin que j'ai fait tout à l'heure. En moins d'une heure, on peut se rendre facilement au sommet de North Twin. Cependant, on doit revenir. Alors, toujours la forêt de Pemigewasset, le mont Flume, le mont Liberty, le mont Lincoln, le mont Lafayette, le mont Garfield, le Vermont, et tout au loin, c'est le Québec et le Canada. Alors, je ne suis pas sur le sommet, je suis à une cinquantaine de mètres à l'ouest du vrai sommet, où il y a un point de vue qui est magnifique d'ailleurs. Alors, je vais me diriger tranquillement. Et en plein milieu, il y a le Galehead Hut, lieu de regroupement et de campement pour les randonneur. Je faisais partie du nombre des clients hier soir. Comme le disaient plusieurs randonneurs que j'ai rencontrés, il y a très peu de vent sur les sommets, ce qui est un phénomène assez rare dans les montagnes blanches à cette période-ci de l'année, surtout qu'on se dirige vers un changement de saison.
La semaine prochaine, ce sera officiellement l'automne. Quelle belle expérience!